bienvenue dans l'émission chez Lucullus. Aujourd'hui, nous avons le chef Brutus Porcellus. Alors, vous venez de... De Rome. Je viens de Rome, oui, oh, exactement. J'adore les Italiens. Formidable. Regardez, chef, je fais les courses. Et qu'est-ce que vous allez nous préparer avec tout ça, chef? Salut, amici. Ave César. Je viens chercher les lauriers. Mais nous en avons des lauriers dans notre émission chez Lucullus. Voilà. Grazie mille. Vous ne m'avez pas dit ce que vous alliez faire comme plat. Une salade César. Ah, hein? Une salade César, très bien. Non, ça, c'est une très bonne idée. Ah, hein? Voilà. Bon. Hey. Mes chers amis, à bientôt. À bientôt. À bientôt, ah, César, dans notre émission chez Lucullus. Nous allons prendre les ingrédients nécessaires pour réaliser cette magnifique salade César. Mais c'est une romaine, ça. C'est parfait. Oui, voilà, c'est une romaine. Alors, on prend la romaine. Une romaine. Fromage. Du fromage, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, du provolone. Et non, la salade César, c'est pas du provolone. Oh. C'est italien peut-être, bon. Ça, mais... Alors, tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, de la feta. Oh. Misère, mais la feta, c'est grec, c'est pas romain. On va pas envahir tous ces pays pour manger n'importe quel fromage. Oui, mais c'est à Méditerranée, hein. Non. Est-ce qu'il y a du camembert de Méditerranée? Bah, on pourrait, hein. Non, il n'y en a pas. Donc, ma chérie, ma chère dame, vous ferez un grand plaisir d'aller me chercher du parmesan. Voilà, chef, le parmesan. Très bien. Je suis sûr que vous avez oublié mon champignon. La bannite des César. Non, elle est là, regardez. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas une manite de César, c'est une manite tout mouche. Alors, tout mouche. Ah. Et pourtant, c'est bien celle que vous avez donnée à votre mamie, hein, il y a 8 jours. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, je comprends. Et pour César? Je comprends pourquoi elle n'avait pas bien mamie. Bon, pas de champignons. Vous avez fait la sauce? J'ai fait la sauce. Très bien. Oh, mon Dieu! C'est une horreur. La sauce. Merci. Et César de Marseille. Je rentre déjà au boulot. Je suis pompé. En plus, j'ai fait Fanny. Tu tombes bien. On fait une salade César. Une salade César avec des artichauts. Mais tu me fends le cœur. Mais non, César, c'est pour la décoration du studio chez Lucullus. Tu me rassures. Et ma salade, c'est du poulet? Ici. Et c'est du poulet, c'est de quoi il a fait le Paris-Roubaix? C'est un poulet bicyclette? Maintenant, il faut le découper. Oui. Allez, c'est pas moi qui vais découper le poulet. Ah, oh, mais pourquoi vous... C'est toi qui découpe le poulet. C'est pas compliqué, c'est toi qui découpe le poulet. Alors? Non, ne parlez pas comme ça. Alors, c'est toi qui découpe le poulet. Tout coucou et Porcellus. Aïe. J'ai coupé le poulet. Moi, c'est un poil de Lucullus. Porca miseria. Va de retro, Porcellus. Qu'est-ce que je veux dire? Tu veux faire une salade, c'est tout? Une salade César. Eh ben... Parce que c'est César qui t'a fait penser que t'allais faire une salade César. Mais d'une manière... Et pas une salade, virgule César. Salade César. Tu le regardes et tu dis, tiens, une salade César. Oh, c'est flatteur, hein, quand même. Hein. C'est légitime.